Salut à tous. Vous en voulez une bonne raison de voter RN, sans conviction, hein, sans idéologie, juste écoute bien. Vous avez, premier degré, voté à 34% pour le RN, putain. Le RN, ça a toujours été le FN, le Front National. Un parti de gros racistes. De gens qui sèment la terreur et qui incitent à la haine. Ça fait des décennies qu'on se bat contre eux. Et là, vous tombez dedans. Vous détestez tellement les gens. Vous êtes vraiment horribles. C'est pas ma France. Je suis désolée, c'est vraiment pas ma France. On se retrouve avec un parti mais rempli de gens racistes, xénophobes, LGBTphobes qui détestent tout le monde sauf les riches blancs. Moi personnellement en tant que femme je me sens plus du tout en sécurité dans mon pays, mais non plus en tant que personne musulmane ou en tant que personne LGBT parce que je suis musulmane et LGBT je vous en... Donc là on va devoir accepter qu'un parti comme celui-là prenne plus de place au Rassemblement National et vote comme des grosses merdes et nous retire plein de droits. Des droits qu'on a durement acquis, vous allez vous asseoir dessus parce que vous avez la haine. Vous êtes remplis de haine envers les gens qui sont pas vous. Et heureusement qu'on n'est pas vous, heureusement qu'on n'est pas vous, sinon on serait horrible. Je suis choquée, je vous jure, je suis choquée. Je peux pas vivre dans un pays comme la France qui est rempli d'imbéciles. Vous êtes bêtes comme Bardella, putain. Je suis fatiguée de ce pays qui n'apprend pas de son histoire. Vous êtes allé en cours d'histoire ou pas? Vraiment pitié, secouez-vous. Vous n'êtes pas riches. Et ils chient sur tous les gens qui ne sont pas riches. Ça devrait déjà être un élément pour vous permettre de bien voter. Marine Le Pen, elle prend la parole dans son vieux QG de merde. Il y a tous ces fans là qui sont là et qui secouent leur drapeau français. Mais les trois quarts, c'est des pauvres. J'ai vécu là-bas, ils sont pas riches. Ils ont rien, leur seule richesse, c'est leur racisme. Votre priorité, c'est pas d'avoir de meilleurs droits sociaux, mais c'est plutôt de dégager des gens qui ne sont pas blancs aux yeux bleus comme vous. Je vous déteste, tout simplement. Les jeunes, il est temps de quitter ce pays. Et donc, qu'est-ce que ça provoque dans la tête de la jeunesse française? Ça. Jeunesse en mer, le Front populaire, la jeunesse française anti-immigrée.